Oui, bonjour Eric Jean-Baptiste. Auditeur, auditrice, c'est Caraïbes. Meilleurs vœux. Oui, meilleurs vœux également. Oui, on peut commencer. Nous t'ai dit ça hier soir où t'es sur radio. Ben bon, nous t'ai voulu connaître et réaction Éric Jean-Baptiste, candidat à la présidence après publication résultat définitif élection présidentielle. Réaction claire, c'est que nous-mêmes nous pour la modernité politique dans le pays et les élections présidentielles pour moi-même Éric Jean-Baptiste c'est terminé. Et il faut tourner la page pour nous aller de l'avant. De, effectivement, le président Jovenel pour me présenter le compliment, hein, de dire les félicitations. Et en même temps, pour me conseiller et pour faire attention à flatter. Mm-hmm. Faites attention, très attention à flatter. N'oublie pas et otage de et certains éléments dans la classe, dans l'élite économique, hein, pour que les connaissent que les pas un monde qui est en campagne encore, qui sont présidents de la République, mm-hmm. et que gagnent des défis, des gros défis qui attendent élite pour lever, donc des défis pour la gommer, pour que gagnent une réforme économique qui pour faire pour que classe moyenne nan, qui lui-même pas existé encore parce qu'on était au bon riche ou bon pauvre pour que il fait effort pour que classe moyenne soit capable de recapitaliser pour réduire la pauvreté en Haïti et combien contre corruption c'est conseil que nous débattons parce que stabilité le pays c'est lui-même qui la cause que Minustat est capable de dans pays pour le pou de l'eau par les haïtiens en bois. Nous t'étili, nous espérons que sous mandat là, eh ben, troupe ministère va aller, parce que haïtiens va coller ensemble pour gagner la paix dans le pays. Nous t'étili que nous espérons sous mandat là, la va chercher justice pour 10 000 haïtiens qui mourent dans le choléra ministère. Mm-hmm. Et bon, ça c'est son deal. Et est-ce que c'est secret? Ça le répond non. Et président et Moïse, et Jovenel Moïse, il était paraît très humble. Il était dit que victoire l'IA, c'est victoire chaque grand monde qui aime le pays. Et que lui-même, il paraît pour le travail ensemble avec tout le monde qui disposait, mettait main ensemble avec lui. Mm-hmm. Et dans quel niveau Éric Jean-Baptiste qui lui-même t'a gagné une vision, t'a gagné un programme politique prêt à aider Jovenel Moïse lever ensemble défi ça yo au ce palais là. Et Éric Jean-Baptiste après il prend le temps qu'il faut pour le garder, ça il est un temps de grâce dans mon bataille politique, après le temps qu'il faut pour nous garder les premières démarches que monsieur le président Jovenel Moïse Palguin pour l'entreprendre, à savoir comment il va monter cabinet, comment il va bailler qui secteur qu'il va bailler priorité, et nous-mêmes nous va là pour nous observer conseiller publiquement, et les nous disons va conseiller, et c'est par la voie des zones d'affaires. Pour nous conseiller publiquement, si il y a des bonnes décisions qui prennent pour nous encourager, et si il y a des côtés qui ont des dérives qui ont fait pour nous dénoncer, comme d'habitude. Mm-hmm. Et faire des propositions. Parce que je dis, nous croyons que c'est ça qui vous fait dans l'opposition moderne. C'est pas dénoncer seulement. Il faut que l'on dénonce ça, ou capable, et bailler des propositions de solutions. Par exemple, je dis, c'est pas dénoncer pour mon a dénoncé seulement que un policier par exemple qui a touché 30 000 gouttes c'est à peu près 300 et puis dollars qu'il y ait il pas qu'à vivre ensemble avec lui. Il faut que ou bail des propositions qui ça pour faire qui pour bail goutte la même et une bagaille qui très important qui pour faire pour que goutte la pas continuer à prendre tabac dans mes dollars, eh bien, faut que nous suspendons avec ring politique là, faut que nous suspendons avec des autres
dans la rue, il y a un processus électoral qui peut se faire. Dans une élection, ça perdu doit reconnaître que vous perdu pour payer à lui-même capable de faire ce pour l'avancer. Mm-hmm. Et qui interprétation, Éric Jean-Baptiste, fait de KEPSA, de pouvoir exécutif là, qui jodi en, et est-ce que, selon nous, pas t'as gagné aucune influence, aucune mainmise sous appareil électoral là, donc pour son élection qui est faite dans toute transparence et qui a accouché, ça le bail là comme résultat? Système électoral non, il gagne un problème là-dedans et nous croyons que faut qu'il intervenu et faut qu'on réflexion profonde qui pour prendre pour gagner des passer main qui fait et en dans système là parce que ces problèmes yo qui la cause que c'est un mois après que n'a connait qui est qui président ces problèmes yo qui fait que à chaque fois qu'on élection qui fait mais c'est pas population en lui-même qui gagne dernier mois mais souvent c'est et faut qu'on dans la justice pour que gon dernier mot qui dit et ben nous-mêmes nous croyons que le système électoral là gagne passer main qui doit faire en dernier et une fois pour toutes par exemple pour nous être capable de rentrer dans l'ère électronique là pour que les élections faites gagne moins main qui rentre là-dedans. Mm-hmm. Et nous croyons que le conseil électoral qui l'a, il était fait des efforts pour les améliorer les machines et Mambio, c'est des gens qui méritaient de la partie parce que il y a un peu de efforts, nous croyons qu'ils ont fait dans des conditions qui pas faciles, ils ont respecté des délais qui ont été battus, c'est déjà un bon bagage parce que ici en Haïti et haïtiens toujours un temps. Nous toujours gain temps pour nous faire toute qualité de bagaille et c'est ça qui mettait nous en retard tout. Mais pour une fois, le monde qui est responsable, il était respecté moyo, il était dit à bail un résultat non date, il bail li nan date là et toute échéance yo était gagné, il respecté. Monsieur Privé pouvoir être en place là et nous croit que li bail un bon exemple dans sens ça lui-même tout. Parce que il n'est pas intervenu pour l'influencer l'élection. Tout le monde est capable de témoigner que le pouvoir exécutif là pas influencé ni pour Guipé, ni pour Gauthier. C'est un bon point pour pouvoir et de transition hein, qui lui-même te gagné comme objectif premier pour te réaliser l'élection. Eh bien, l'élection est réalisée le 7 février. A bien passation qui est de pouvoir qui a fait c'est un bon bagage pour Haïti. Mmh. Résultat élection 2016 yo c'est presque pareil en termes de classement avec élection 2015 yo nous pas quoi que non il y a des monde qui est victime hein conseil électoral ça yo non qui était là avant si élection yo résultat yo bail presque que même gens est-ce que ne pas quoi que des monde qui ont fait méchanceté ou bien dit guerrier deux heures les résultats auraient été presque même gens mais les résultats pas même gens parce que par exemple moi même Éric Jean-Baptiste et moi pas candidat dans élection ça yo encore et certainement si m'était là t'a gagné des autres résultats dans élection mais comme l'histoire pas bâti avec si n'a prêté sur ça qui là journée aujourd'hui et résultat yo c'était tendance une certaine minorité active qui en dans pays a et nous croyons que c'est des résultats qui interpellent les monde qui fait politique tout parce que il y a 80% de la population qui les même pas sorti qui ça et silence ça veut dire qui ça traduit et c'est très important pour nous pour nous comprendre ça. Maintenant, en matière de monde qui t'a dit qu'il t'a victime d'un ancien conseil électoral là, écoutez, on va toujours joindre, quelle que soit l'institution, bon graine, mauvais graine. Mm-hmm. Et dans le dernier conseil électoral qui était passé là, eh ben, nous étions des scandales pour des mondes qui t'a touché l'argent à droite, touché l'argent à gauche. Même il y a des mondes qui devant tribunal, journée, jeudi, pour question ça. Mais c'est même gentil, il y
gagne des citoyens qui étaient dans le conseil électoral là ou pas jamais entendu non yo te cité dans corruption. D'accord. Après le finir Eric Jean-Baptiste, mais nous connaissons où tu as supporté Jude Célestin pendant dernière élection là. Donc qui comment relation ou même avec Jude Célestin, comment relation nous y coulia par rapport à la position ça qu'on gagne matin là sur sur résultat définitif. Eric Jean-Baptiste, il y a une alliance pour droit grandet majeur pays là. Nous continuer à goumen pour droit grandet majeur pays a. D'ailleurs, c'est bataille pour droit grandet majeur pays a et qui fait que élection yo capable fait journée jodi a ak l'argent peuple haïtien, c'est une grande victoire que lié son fierté pour nous-mêmes comme peuple. Élection ça yo qui fait là, c'est élection que peuple haïtien en fait. Et relationnons avec camarades de Jude Célestin au beau fixe et il y aurait des mêmes gens certainement et nous ne doit pas sous même position je dis à nous quoi que et président Jude Célestin était mené le bon combat et lui fait ça que la loi des deals pour le faire à savoir l'allemand et consensueux pour la le vérifier comment et li perdu c'est un bon bagage et mais journée jodi a et résultat tombé pas gagné et recours pas gagné aucun appel que capable fait encore et nous croyons que Jude Célestin a pris note de ça pour que pays a continue à avancer. Au Palavel depuis publication résultat définitif non. Et oui, nous parler plusieurs fois, et pas après résultat définitif, mais le débat et résultat provisoire, oui, et nous parler plusieurs fois. Oui, d'abord, Mado, qui position pensez qu'elle est capable d'adopter? De toutes les façons, madame, je n'ai pas porte-parole, et président Jude, oui. Mais et yon allié dans yon groupe qui tape des fun et droit grand-tête majeur pays d'Haïti. Mais est-ce que vous pensez que, en tout cas, candidat yo, dans la dernière élection là, gagne intérêt pour ta, fait même geste, à son fait, je veux dire là? Parce que vous avez intérêt pour ça? Guerrier, nous-mêmes, nous, pour la modernité politique, et bataille politique là il doit gagner des règlements il doit gagner des normes qu'il a dans les oui nous même nous croyons que candidat qui était dans élection ça yo et t'as supposé faire un coup de fil de fait pli pour yo féliciter le président qui a venu là et s'il a qui voulait prendre le temps qu'il faut pour yo analyser pour yo observer ça quoi le passé et le temps de grâce pour que pour pays bah que bah pouvoir qu'a besoin là un temps de grâce tout et s'il a qui voulait tout intégrer et pouvoir qui a venir pour y aller servir pays pas pour y aller servir un gouvernement parce que faut qu'il y ait différence qui fait dans la question ça le où mon a servi le citoyen a servi c'est l'état pays l'a servi donc c'est très important pour que différence ça fait d'accord et bon nous quand Jean Éric Jean-Baptiste en poste dans le gouvernement ça et Jean-Baptiste et à côté lié à la guerre Dieu seul n'a continué à organiser non, n'a continué dans le social, n'a continué à renforcer la politique que n'a fait sur le terrain, n'a continué à organiser nous, les conseils qui pour bail, n'a pas conseil tout, les gagnants et propositions de suggestion, de correction, et n'a sa guerre, n'a pas eu, parce que nous croyons que c'est intérêt Haïti. Haïti d'abord, Haïti tout le temps. Merci un peu, Eric Jean-Baptiste. Bonne journée. Merci. Voilà, Eric Jean-Baptiste, candidat à la présidence sous bannière Mas, c'était en direct avec nous. Stanley, bonjour. Bonjour, Dieu seul, et bonne année à vous-même et à tout le monde. Partagez.
Oui, donc Aurélien Matelin là et bon, coucou moi ou même ou qui réaction pas d'abord hein par rapport à résultat et définitif élection présidentielle. Bon, faut bat bravo pour détermination et courage du pays d'Haïti. Et faut bat bravo pour démocratie là, parce que c'est le vote, c'est pas violence qui gagne. C'est démocratie qui font pas non bon direction. Bon peuple qui t'a l'exprimé, l'été gagne des candidats pour magistrats, pour députés, pour sénateurs et pour présidents. Ce peuple-là fait choix, lui. Même genre non démocratie. Gagne des mots que le peuple a accepté, que le bal pouvoir, dans le milieu, dans le parlement et au niveau du pouvoir exécutif, et bien de même, la démocratie a mandé que le peuple a rejeté. Donc, ça qui est intéressant dans l'élection, ça, c'est qui ça qui fait que bien de monde qui passait comme député, comme sénateur, comme président et comme magistrat, et bien de monde qui parait ici. Donc, c'est deux bagailles qu'on a regardé. On a regardé environnement électoral là et on a regardé gestion de campagne électorale là. Donc lorsqu'on regarde gestion campagne électorale là, monde qui perdu, parce que il y a pas de bonne stratégie en matière de gestion de campagne électorale. Mais de mon stratégie, c'était pour mettre l'autre monde dehors, mais il y a pas de bonne stratégie pour gagner l'élection. Il y a des gens qui ont une stratégie critiquée, mais pas de proposer nation, rien. Et il y a des gens qui ont une capacité de monter en coalition politique, sous garder ensemble de coalitions qui participent au niveau de la présidence, ou après que coalition gagnante, là, qui gagne M. Jovenel Moïse, il y a à peu près 54 députés là-dedans. Il y a des sénateurs, il y a 30 magistrats, il y a un casque. Il était gagné des candidats pour les élections locales à travers tout le pays. Il était bon vision, il était bon message, il était bon stratégie de communication politique. Regarde des coalitions perdantes. Ou est que, par exemple, dans une coalition qui deuxième, non, ou après des bon G8, mais c'est 8 tours qui t'as boumé. Une t'as supporté l'autre. Il vient craser, il vient faire G6, jusqu'à ce que le tourne G3. Et qui pratiquement est deux troisième coalition, il n'y a pas vraiment des organisations politiques là-dedans. Et leader coalition qui troisième n'en parle matin, Moïse, c'est seulement Mathias. Il n'y a pas aucun parti politique, groupement politique qui accompagne, il n'y a pas d'infrastructure politique, il n'y a pas vraiment bon message, il n'y a pas de stratégie de communication. Et l'autre coalition qui quatrième n'en Marise et Aristide. Le comparer à coalition que le gagné en 90 ans, ou elle en déglabanette. En 90, Aristide te gagné groupe 57, il te gagné FNCD, il te gagné KIP, il te gagné CONACOM, il te gagné Père de la théologie de la libération, il te gagné société civile, il te gagné parti de la presse qui accompagne, il te gagné la bourgeoisie, parce que l'elle t'a pas enregistré comme candidat en 90, Aristide te gagné $75 sous compte en banque d'une Scotiabank, c'est Gladys Lotio, c'est Ismery, c'est l'école, c'est Auguste, qui t'a acheté caille, qui permet de aller dans le liste comme candidat à la présidence. Lorsqu'on compare coalition qu'il était gagné en 90 ans avec coalition 2016 ans, non seulement l'hyper du père de la théologie de la libération à cause de Petit-Jean, Patinan presque qui t'a supporté là, à cause de sa crise de Jean-Dominique, Jacques, Bruno Lindoy, la gueule. Mais on vient garder base électorale, moi Jean-Charles prend 11% là-dedans. Et René Haïti avec Jean-Ricéen prend 6% là-dedans. René Préval avec Unité Vérité, l'espoir pour l'autre 6%. Yves Cristallin avec l'avenir prend 3%. Josu Lis avec Ensemble Nous Fort prend 2%. Boudier Rivo avec Confiance prend 2%. Yvon Netune avec Haïti pour Haïtien pour l'autre 2%. Sandel Lucas, normalement, de son qui base au fait calculer ça, yo. Mais en aller plus rapide, et qui sent qui est capable de faire là pour empêcher que le pays en connaît 5 ans
instabilité à nouveau avec candidat Kouemou Jean-Charles, Marise Narcisse, Jude Célestin, qui eux-mêmes non seulement papa t'était dit que yo pas d'accord, yo pas reconnaître résultat qui a sorti. D'ailleurs nous sommes de Maurice Jean-Charles là, nous beaucoup gain réaction Lavalas et la paix en fait Jude Célestin, qui ça selon vous qui capable fait pour que paysan les pas connaît yo 5 l'année la instabilité encore. Bon, premier bail là, c'est à l'identifier pour qui ça est perdu. Parce que bon, nous, Jean-Charles, il y a un hélicoptère. Non, mais il dit que il estime qu'il n'est pas bien perdu. Parce que vérification n'est pas bien faite, d'après eux. Bon, dans toute élection à travers le monde, il y a des mauvais perdants. À part ici, aux États-Unis, il y a été contesté que Donald Trump. Et puis tout le monde dit que la raison qui fait que les démocrates ont perdu, c'est parce que travailler sans diplôme, yo, qui a 38 à 45 ans, c'est toujours pour le président démocrate qui a voté dans Wisconsin, dans Pennsylvanie, dans Michigan. Fois ça, travailler sans diplôme, yo, ne pas voter démocrate, c'est républicain à voter parce que les États-Unis perdent 79 factories. Donc je dis à pour qui ça a mouru Jean-Charles perdu, c'est pour une raison technique. C'est parce que, je dis, dans le discours que Maurice Jean-Charles gagne, hein, il n'est pas passé dans la population. Il faut là le fond retraite pour qui ça, pour qui ça pas de coalition politique solide, qui fait qu'il n'y a pas de infrastructure politique. Pour qui ça que le message n'a pas passé dans la population. Et qui gens, avec que, et qui impact inter- et gestion privée a, par rapport à cyclone Mathieu et par rapport à l'inondation de terrain au Cap, par rapport à une série de gestion économique et politique, qui n'est pas de gestion privée à des gains sous Marie Narcisse, Maurice Jean-Charles et Jude Célestin. Est-ce que leur dépend pouvoir le 14 février, ils n'ont pas de promettre de te gérer plus bien que le gouvernement avant? Est-ce qu'ils ont géré plus bien ou bien ils ont géré plus mal? Est-ce que gestion plus mal là, ils ont un impact sous coalition qui est au pouvoir là avec privé, Jude Célestin, Maurice Jean-Charles et Marie Narcisse? Donc, premier bagage que vous allez faire, c'est vrai pour qui ça a perdu. Deuxième bagaille là, c'est droit pour le fond opposition démocratique. Mais on va être certain, moi-même, même fois analyse technique de gens élection passé, de résultats élection, il y a deux bagailles qui peuvent arriver. Il y a deux options devant. La première option, il continue à faire ça a fait depuis 5 ans. Ça veut dire que même si on a 6 sénateurs qui ont constitué le blocage à la population sénat qui n'a pas très grand hier, peut-être là-bas, tout canet. Parce que le peuple a rejeté ni violence, ni monde qui a bloqué et monde qui n'a pas de solution, eh bien, si on commence dans le même route, ça, on fait commencer à perdre l'élection. Deuxième option, c'est faire même gens démocrates qui perdent l'élection aux États-Unis. Fait. Qui ça démocrate nous fait? Ils ont pour qui ça a perdu. Ils ont mis les Clinton de côté. Ils ont venu avec un leadership tout neuf. Ils ont nous pour travailler sans diplôme. Ils ont regardé dans la prochaine élection dans 2 ans si on a gagné. Donc, ça veut dire pour l'opposition haïtienne. L'opposition haïtienne, non, c'est perdre l'élection. Il perd l'élection pour des raisons techniques. Parce qu'il n'y a pas de coalition, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de proposition. Je vais vous dire, si pendant Jovenel Moïse a gouverné, il n'y avait pas de solution pour l'agriculture. Si au même pendant 5 ans, il y a même dit, mes propositions pas occupées bon. Si on vient avec des propositions économiques pendant Jovenel a appliqué propositions économiques, il y a 4 ou 9 en alternative. Donc, qui choix va le faire? Est-ce que Jean-Éric Jean-Baptiste dit à l'air, il va le proposer pour construire une nation, ou bien il va continuer à présenter tête comme un facteur de blocage à l'avancement d'Haïti. Donc, l'avenir dépend de eux-mêmes. On va être certain, je vous dis, c'est que, au niveau électoral, c'est que si on perd toute représentation possible, on gagne au niveau électoral. Donc, si on voulait remonter la bannière, pour que ça ait perdu, et qui stratégie de proposition que vous avez fait là pour vous entrer dans le peuple là? Mais je dis, dans le blocage, dans la violence, vous perdez ça avec que vous gagnez dans le peuple là. Ou pas quoi, tout que vous avez qu'on a vérifié que vous avez bien perdu? Pardon? Non, mais ou pas quoi que l'important pour parti Sayo, candidat Sayo, c'est qu'on a que vous avez bien perdu? Bon, il faut qu'on fasse exercice technique là. Est-ce que le leadership parti ça a eu une démocratie dans le temps pour identifier pour qui ça a perdu? Et sous non parti, côté parti a chita sur la culture de la personnalité, on ne va pas faire exercice ça parce que de vous faire exercice ça, et même en dans parti ça, il y a une nécessité, ou même qui fait parti a perdu pour le mettre de côté
qui revient avec un leadership tout neuf, même Jean-Parti démocrate l'a fait. Je viens de mettre les Clinton de côté. Je vais venir avec des mounes tout neuf. Même Jean-Les Républicains ont été perdus avec Mitt Romney, John McCain, je vais mettre de côté, je viens avec un mec tout neuf qui est Donald Trump. Donc, je vous dis, il y a une raison qui fait que Moïse prend position qu'elle prend avec Jules Célestin, parce que si elle fait exercice ça dans l'organisation politique de là-dedans, là, automatiquement, il y a mis des leaders ça qui échouent de côté, il y a venu avec des leaders tout neuf qui goûtent, qui t'a attiré faveur de là avec un nouveau programme, une nouvelle vision, qui t'a baillé aux chances pour gagner une nouvelle élection. Mais on baille qui certain, c'est que, c'est comme ça tout à l'heure, mais il y a deux choix devant eux. Premier choix, continuer bloquer, continuer écraser, population a continué rejeter. Deuxième soir, à regarder pour qui ça a perdu, vine avec un leadership tout net, parce que peuple ont déjà fatigué à leadership ça, qui va remettre en rien, qui va proposer en rien, qui va avoir une vision économique. Aujourd'hui, alors, son leader politique, c'est pas de bloquer quoi pour parler, ou de parler de qui j'en parle faire et qui vient plus fort économiquement, socialement, politiquement, dans le Caraïbe là et dans l'Amérique latine. C'est pas bloqué pour faire back. Donc, si on a une capacité de faire ça, il fait comment se perdre l'élection. On a les bonnes perspectives pour 2017 là, encore comment elle? Bon, et n'a pas commencé très mal en 2017, parce que faut pas oublier, nous avons perdu 14 milliards de dollars dans le tremblement de terre 2010 là, et président de facto qui n'a pas parlé du tout de reconstruction pendant l'année qui s'est passée là, mettez abscès sous clou, nous avons perdu 3 milliards de dollars américains avec cyclone Mathieu, notamment 850 millions de dollars américains dans le domaine de l'agriculture. Il a déjà fait projection croissance économique là pour 2017. Ça représente 1% lika moins. On est pour retirer mon misère dans le pays, dans le pays d'Haïti. Croissance économique là doit varier entre 8 à 20%. D'accord. Avec dit, je vous dis, non seulement le président a pas monté avec une situation économique très maloue, mais je vous dis, nous tout le temps doit réfléchir qui gens pour nous sortir à une croissance économique de 1% pour mettre au moins à 5 ou 6% pour commencer à retirer mon misère. Donc, on leader politique qui parle incapacité viennent faire des propositions pour augmenter la croissance économique, je vais commencer à piquer les têtes. C'est pour ça, en 2017, là, c'est en 2017 économiquement et socialement très difficile que le valier. D'accord. Merci un peu, Stanley Lucas. Bonne journée. C'est moi pour remercier, nous inviter tout le monde à nous suivre sur Twitter, @StanleyLucas01 ou @StanleyLucas01 ou sur page publique, nous sur Facebook. Bon Dieu bénis nous et puis bonne année encore. Bonne année, Stanley Lucas, t'es en direct avec nous depuis États-Unis. Nous,